Bon, bisous, on peut y aller là ou pas? Ok, quand tu veux. On démarre. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur le site Plastic Dream. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cours numéro 3 sur la peinture à l'aérographe. On va parler aujourd'hui des aplats de peinture. Ok. On va commencer par du très basique et puis on va progresser. Il y a trois techniques que j'utilise voilà, qui devraient faire votre bonheur si vous faites des avions ou ça peut aller aussi fonctionner sur le char. Et la première technique peut fonctionner sur les voitures, etc. Sur toutes les maquettes. Okay. Alors je vais vous expliquer une première partie théorique. Donc on va aller sur l'ordinateur, je vous fais des photos, expliquer mes théories avec des photos pour vous pigiez le principe. Et puis après, on passera sur l'atelier. Et j'ai une vieille boîte de Speedtrailer avec le fuselage, les ailes. On va pratiquer là-dessus, quoi, dans le jus. Je vous montrerai les trois techniques que j'avance. Alors, c'est pas mes techniques, hein, c'est les techniques que j'ai apprises au long des années, etc. Après, j'ai développé mes propres petits trucs. Mais bon, vous pourrez les adapter, vous pourrez les améliorer, vous pourrez en changer, mettre une petite patte. Voilà, l'important, c'est que vous compreniez le principe et que voilà, vous faisiez ça à votre sauce. Hein. Voilà, première maquette, une deuxième, une troisième, au fur et à mesure que vous avancerez. En suivant ces techniques, vous verrez que vous améliorerez, c'est évident. Alors, regardez là-dessus, par exemple, notre ami Arquilon qui a commencé une première maquette, un BF-109. Il a suivi les techniques, les miennes, mais d'autres aussi sur internet, de vidéos qu'il a vues évidemment. Et il s'en sort très bien, première maquette, réussi, parfait, la deuxième va encore être mieux, la troisième mieux, imaginez à sa 20e maquette. Voilà, au fur et à mesure qu'on progresse, comme ça qu'on avance, on fait des maquettes plus à part et on s'éclate beaucoup mieux. Okay. Donc allez, on se retrouve sur l'écran d'ordinateur, à tout de suite. Alors avant de continuer, pour être sûr qu'on parle de la même chose, voilà, mélangez pas variation tonale et variation chromatique. Voilà un exemple, hein, variation tonale sur le rouge. C'est du rouge partout, sauf que dans un coin, il y a du rouge pétant, le rouge pur, et là, du rouge sombre. Okay. Donc ça, c'est une variation tonale. On varie sur le ton de la couleur, mais il y a une seule couleur. Okay. Et la variation chromatique, c'est une variation de couleur. Il y a plusieurs couleurs. Okay. Qui peuvent être elles-mêmes en variation tonale, vous voyez, comme le bleu, là, il tire vers le vert ici, il tire vers le rouge ici. Mais peu importe, il y a plusieurs couleurs. Donc ça, c'est une variation chromatique, et ça, c'est une variation tonale. Alors, voilà, moi, je considère qu'il y a trois techniques à peu près. Voilà. Quand je commence une maquette, je sais laquelle de ces techniques je vais appliquer suivant le résultat final que je veux. Okay. Le premier, c'est l'aplat basique. Alors, quand je dis aplat basique, c'est par exemple ça. Donc là, il y a un aplat de peinture qui est basique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pré-ombrage, que là, il n'a pas fait de pré-ombrage, il n'a pas fait de pré-éclairage, rien du tout. Il a mis une couche d'après, et puis après, sa peinture bleue. Voilà, une couche de vernis, c'est des cales. Recouche de vernis, c'est terminé. Okay. Ce qui fait un joli petit modèle. Okay. Bon, là, c'est un rasseur. Hein. C'est généralement ce qu'on utilise comme technique quand on veut faire un rasseur ou un appareil tout neuf qui sort d'usine. Voilà. Voilà, là il y en a une autre photo, voilà, tu vois, d'un Boeing, ou enfin je sais pas quoi, si c'est un Boeing ou autre, enfin, vous comprenez le principe. Alors là, je ne vous parle pas des décales, hein. Vous voyez les surfaces bleues et oranges, les vertes, là, c'est tout ça, c'est des décales. Je vous parle du blanc. Voilà, le blanc, c'est un aplat basique. Voilà, il n'y a aucune variation tonale, c'est du blanc partout, il n'y a pas d'ombrage ou d'éclairage ou quoi que ce soit. Tout est dans la même, voilà. Donc ça, c'est aucun problème avec cette technique. Alors vous la connaissez plus certainement avec ça, évidemment. Toutes les voitures que vous faites, là, tous les bagnoleux, généralement, les bagnoleux, ben, c'est ça. C'est un aplat de peinture basique, on passe une couche d'après, on prépare bien sa surface d'abord, évidemment. On passe une couche d'après, on passe l'aplat de peinture, de la teinte finale, quoi, tu vois, donc un verre anglais. Et puis après on passe une couche de vernis et puis voilà, c'est terminé. Okay, donc il y a quand même, si on veut bien faire les choses, là en l'occurrence pour cette voiture, il y a quand même pas mal de boulot. Il faut que la surface, le plastique nu soit impeccable et nickel. Faut pas qu'il y ait une seule griffure, pas une seule variation, enfin une griffe ou quoi que ce soit. Okay, après on passe l'après, là aussi il y a une technique, il faut que l'après soit bien passé. Il ne faut pas qu'il y ait
un petit poil, un petit cheveu, une petite poussière se soit pris dans la plaie. Il faut encore que ça soit nickel. Et après, il y a la plaque peinture. Bon, là aussi, c'est tout un art de passer une peinture qui soit vraiment nickel comme cette carrosserie. Vous voyez, il n'y a pas une griffure, pas un cheveu qui se prend dans la peinture, rien. Et puis, la même variation partout. Et on va regarder devant, derrière, sur le capot, c'est le même vert. Il n'y a pas un endroit où le vert a été moins passé qu'un autre. Il faut que ça soit vraiment nickel. Voilà, après une fois que la peinture est passée, là il y a encore peut-être, quand je regarde quelquefois les vidéos de ceux qui font beaucoup de voitures, tu vois, comme Thierry, voilà, là il prépare encore sa peinture, après il la ponce, il y a un tas de petits trucs à faire pour que ça soit nickel, et après il y a le vernis final de protection, mais en même temps qui donne ce brillant super, et là aussi, parce que ce genre de brillant, c'est tout un truc, le vernis, voilà, pensez par rapport au vernis, puis composant, il y a un travail de dingue derrière, après ponçage, polissage, tatata, donc ça se fait pas comme ça, hein. c'est pas un truc extrêmement simple, mais disons le principe c'est ça, voilà, il n'y a pas de variation tonale, ni de variation chromatique, c'est la même peinture partout, et après le vernis. Donc ça, il n'y a pas vraiment besoin que je refasse un tuto, ou que je vous montre tout à l'heure sur le Spitfire, comment on passe ce genre de peinture, c'est la base. Hein. Alors on peut pousser le truc très loin et puis faire d'excellents modèles, hein, de super modèles de voiture ou de moto. Les motos c'est pareil, hein, c'est que des aplats basiques. Mais pour les avions et les blindés, quand vous voulez donner un peu de jus, quoi, un peu de vécu à votre modèle, et ben ça devient plus bon. On peut plus faire ce genre de truc. Okay. Alors la technique numéro 2, c'est un aplat avec une variation tonale. Et là, bah, écoutez, on commence par une couche d'après, il faut que la surface soit nickel. On commence par une couche d'après, ensuite on fait un pré-ombrage, un pré-éclairage, ensuite on passe la peinture de base en voile très fin. Okay. Voilà. Après on peut terminer avec des variations avec la peinture à l'huile, etc. Et on finit par un vernis de protection. Alors je vous montre quelques photos. Bon, je commence avec cette image de mon Corsair. Voilà. Vous voyez que là il y a des variations pas mal. Pourtant c'est du vert partout, hein, vert intérieur. Mais là il est plus clair, là, il est plus sombre grâce à un pré-ombrage. Okay. Là aussi le milieu de la plaque est plus clair que le blob. Okay. Là pareil pour le petit coussin, pareil sur les bords. Là j'en ai pas fait parce que c'est une pièce qui est pratiquement invisible, et celle-ci aussi, etc. Mais là, vous comprenez le principe. Voilà. Déjà là, rien que ça, déjà, ça ajoute un petit plus par rapport à un aplat. Ok. Alors là aussi un bon exemple, c'est le VF Marseille. Là, il y a eu un pré-ombrage et un pré-éclairage. On le voit très bien ici sur les bords. Vous voyez, en gros, j'ai éclairé. Alors j'ai fait toutes les lignes de structure en pré-ombrage avec du noir. Okay. Et après avec du blanc, j'ai fait le bord des ailes ici. Voilà. J'ai fait le dessus ici, deux lignes là qui courent le long du moteur. Okay. Et j'ai fait ici, on les voit bien là, regardez. Voilà. J'ai fait ici le bord aussi, le bord ici, en blanc. Ce qui fait qu'après quand on passe la peinture finale, là cette couleur sable, et ben, on voit déjà au travers. Vous n'avez pas besoin de travailler votre peinture, ça se fait déjà, il y a déjà une variation là qui est déjà sympa. Okay. Voilà, c'est ce que j'ai fait aussi, mais plus poussé avec le Tomcat. Voilà, ça c'est le Tomcat une fois qu'il est préparé pour la peinture finale. Donc là vous voyez, il y a un pré-ombrage, il y a un pré-éclairage, et j'ai même ajouté des petites variations. Vous voyez, des petites touches de bleu, des petites touches de marron. Alors à des endroits, je me suis servi des photos de référence. Hein. Là derrière, il y a un peu plus de bleu que sur le devant, des petites traces de marron rouille là qui sont sur le, voilà, un peu partout. Ok. Ensuite, ben voilà, une fois qu'on a appliqué la peinture finale, la teinte finale. Ok. Bon, vous allez voir la première fois que vous allez faire ça, c'est difficile à rendre en photo. Hein. De visu, vous allez le voir tout de suite que c'est vachement plus sympa. Ok. En photo, c'est des fois tellement fin que c'est difficile, hein, de bien rendre en photo. Et là, vous voyez, bon, on voit plein de variations. Et dans le vrai, si un jour vous venez boire un café à la maison, vous le verrez en vrai, ce Tomcat. On voit là toutes des petites touches légères de marron et de bleu derrière. Voilà, donc ça, c'était la première phase, l'application de la peinture. Après, j'ai refait une technique du sel derrière. Donc, on verra après, je vais vous réexpliquer la technique du sel, mais une fois que la couche de base est passée, on passe
un peu d'eau, on humidifie la surface, on passe du sel, okay, on laisse sécher, et après on repasse la teinte finale un peu plus foncée. Enfin, bref, au final, on obtient ça. Et là, il y a une grande richesse de variation tonale. Quand on la regarde de près, il y a plein de variations sur chaque panneau, du bleu, du marron. Voilà. Puis pareil, on se sert de photos de référence, évidemment. Hein. Et là, sur les rivets, par exemple, la peinture est pratiquement neuve, parce que les mécanos, quand tu démontais une plaque comme ça pour accéder à la machinerie en dessous, si c'était trop abîmé, trop rouillé, ils repassaient un coup de peinture uniquement sur les vis pour pas que ça rouille. Okay. Et ça donne ces espèces de sur les lignes de rivets où c'est un peu plus clair que sur les autres. Alors, pas sur les panneaux qui sont plus rarement démontés, mais sur les autres, oui. Voilà, ça donne une bonne variation. Okay, donc ça aussi, on va voir cette technique ensemble. Alors après, vous avez le un peu plus, pas compliqué, mais disons qu'un peu plus de boulot, c'est l'aplat multitonal et avec variation chromatique. Et là, on fait tout. Quoi. C'est la totale, mais enfin, bah. C'est-à-dire qu'on va non seulement faire en sorte qu'il y ait une variation chromatique. Alors, je vous montre un des modèles, voilà. Ça, c'est le corsaire qu'une fois terminé. C'est que non seulement, vous voyez dans le bleu, là par exemple, il y a plusieurs variations dans le bleu, okay, mais il y a plusieurs couleurs aussi également. Tu vois? Et là, on se sert de ça. Là, sur cet appareil, par exemple, le vert, c'est l'après qui a été posé dans la réalité sur les corsaires. Okay. Donc, suivant certaines périodes, suivant certains lieux de fabrication, etc., l'après avait deux couleurs sur le corsaire, soit vert, soit jaune. Hein? Et après, il y avait des pièces qui étaient fabriquées dans des usines où on passait un après jaune, d'autres pièces où on passait un après vert. Donc on peut jouer là-dessus aussi, et pour apporter une grande variation dans votre modèle. Donc là, vous avez toutes les ailes qui ont été en vert intérieur, en après. Vous voyez, on voit ici sur le cockpit, ici sur les ailes, et puis d'autres pièces qui sont en jaune. On voit ici, regardez, voilà, ici les volets sont en il y a un après qui est jaune, okay. Et là la queue arrière, l'après est rose, okay. Rose-marron, okay. Qui était aussi une couleur d'après, il y en avait trois en tout. Hein. Okay. Et ça apporte une grande richesse chromatique sur l'ensemble du modèle. Okay. Et là la technique, bon, une couche d'après, pré-ombrage, pré-éclairage, okay. Après on passe en voile fin l'après, la couleur de l'après réel. Donc là, si vous voulez, sur cet appareil, pour résumer, j'ai passé du vert intérieur sur le fuselage ici, le cockpit, enfin, la verrière, et puis les deux ailes, okay. Et puis j'ai passé la queue à une couche de marron, ici sur les stabilos du marron, sur les volets du jaune, okay. Après j'ai passé un produit de shipping, on s'en verra ensemble, il y a plusieurs produits de shipping, soit celui tout fait par AK, MIG, etc., soit celui à la laque. Okay, on peut passer un coup de laque. Okay. Ensuite, j'ai passé la peinture de base, mais la peinture de base éclaircie. C'est-à-dire que j'ai pris mon bleu, okay, MRP, je l'ai éclairci avec du blanc. Okay. Ou non, pas avec du blanc, avec du jaune, enfin bref, une autre couleur pour l'éclaircir, qu'il soit plus clair. Okay. Ensuite, j'en ai passé des voiles fins. Okay. Une fois que c'était sec, j'ai fait mon éraillage. Donc là, j'ai obtenu toutes ces petites traces, là, certaines petites traces. Okay. Après, j'ai protégé tout ça par une couche de vernis pour que ça soit bien protégé. Okay. Après, j'ai repassé un produit chipping, mais j'aurais pu faire aussi la technique du sel, peu importe. Et après, j'ai repassé la peinture du base, mais normale, sans qu'elle soit éclaircie ni assombrie. Je l'ai repassé en voile fin. Et après, j'ai re-éraillé, ce qui a donné des variations dans le bleu. Quoi. Toutes ces petites variations, là, à l'œil nu, on le voit encore mieux. Hein. Mais ça a ajouté un truc encore plus, tu vois, plus de variation dans le bleu, quoi. Voilà. Et après, ben, on peut retravailler encore avec des peintures à l'huile, et puis après protéger le vernis, évidemment. Tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est trois techniques, tu vois, qui peuvent être faites. Alors cette technique-là, elle était bien, tu vois, c'est pour ça que je l'ai faite sur ce corsaire, parce qu'il y avait déjà à l'origine un après sur les avions réels. Tu vois. Il y a des avions, parce que le corsaire, celui-là en tout cas, était dans des lieux où le climat était terrible pour la peinture et pour le métal des appareils. Tu vois, mais il y a des avions sur le théâtre européen qui n'étaient pas protégés par un après, ou alors par un après transparent, un vernis.
simplement pour pas que ça roule. Tu vois, ce qui était le cas de Fire, par exemple. Tu vois, il y avait une grande partie sur le split où c'était protégé par un van transparent, il n'y avait pas. Donc en dessous, c'est du métal. Bon. Ben là, il faut procéder un peu différemment. Il faut passer l'après, il faut passer le métal. Ok. Il faut faire le pré-ombrage et le pré-éclairage après. Tu vois, tu peux pas faire un pré-ombrage sur une couleur métal. Mais sinon, voilà, avec le shipping, c'est la même chose. On passe le métal, on passe le shipping, on passe la couleur bleue là, et puis après on éraille. Au lieu d'obtenir le vert là en dessous, vous obtiendrez le métal. Ok. Voilà. Ok. Bon, ça c'est la partie théorique. Alors j'ai d'autres photos que j'avais préparées. Celle-ci, oui, on voit un peu mieux les différences de bleu. Vous voyez, entre ici par exemple, et puis là, là, ici sur les ailes. Voilà, tout ça c'est fait avec des shipping, et puis ça prend un peu de temps, mais on obtient un résultat plutôt sympa. J'ai une autre photo ici, qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, ça c'était le voilà. Là, j'avais passé l'après, j'avais passé un petit voile de métal à certains endroits, et après le verre intérieur, la couche de protection. Et c'est même dans la couche de protection, vous voyez, le vert là, j'ai fait des variations tonales, j'ai fait des petits spaghettis, quoi. Vous voyez, ce qui donne à la fin, vous voyez, celui dont je reviens ici, là, sur le côté. Voilà. Et après, là, j'ai protégé avec un vernis. Ok. Et après, là, j'ai passé le bleu, et puis après, j'ai re-éraillé là-dessus, donc ça a donné plein de variations, évidemment. Okay. Bon, on passe à la pratique, on passe sur l'atelier, allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve devant l'atelier. Alors voilà les deux fuselages, hein, vous l'avez reconnu, c'est un Spitfire 9, ok, et on va appliquer les deux techniques là-dessus, hein, celle-ci avec variation tonale uniquement, et celle-ci avec variation tonale et variation chromatique. Ok, on va commencer par la variation tonale. Alors, il faut déjà que la surface, elle soit bien préparée, ok, il faut qu'elle soit propre, évidemment, il faut qu'elle soit bien, qu'il n'y ait pas de griffes, rien, vous avez enlevé, donc là, imaginez que vous avez, j'arrive à tatouer, imaginez que vous ayez... votre maquette montée, hein, vous voyez, tout est prêt. Hein. Là, c'est un test, enfin, c'est un démo, donc je vais pas monter le Spitfire entièrement. Enfin, toutes les pièces sont collées, elle est prête à part. Ok, la surface propre, sans griffe, il faut l'illustrer, hein, donc il faut que ça brille. Donc, on prend une toile, alors soit sous forme de bâtonnet, ok, oui, c'est le genre de bâton de mousse pour faire briller les ongles des nanas, tu vois, ou des mecs, hein, ceux qui veulent se faire briller les ongles, ok. Et on la frotte partout, elle doit vraiment avoir un côté brillant, quoi. Je sais pas si on le voit là sur la vidéo. Faut que la surface soit vraiment 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 nickel. Et dans les endroits où on peut pas aller, eh bien on prend une toile micromèche et on frotte. Généralement, quand c'est bon, ça brille. Et puis le bruit du plastique sur le bruit de la toile sur le sur le plastique, ça couine, vous voyez, ça clic clic clic, et on sait que là c'est bon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut dégraisser. Il faut absolument qu'il n'y ait plus de graisse. Ok. Donc là, on prend un peu d'alcool, hein, et puis un petit bout de sopalin, c'est plus simple. On s'embête pas. Hop. Alors évidemment, après, il ne faut plus le coucher avec les doigts. Hein. Bon, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je la mets sur bâtonnet avant. Voilà, un peu de pâte à fixe, un petit bâton. Et on trouve toujours un endroit où passer le bâton. Hein. Il y a généralement pas de problème. Bon, là, ça va être évidemment très très simple pour moi parce que j'ai qu'à le poser là, par exemple. Tu vois, mais si l'appareil serait complet, bah soit j'insère ici, soit j'insère ici, soit je trouve un système pour plus où je la laisse sur le jig, hein, tu vois, sur le jig, comme ça j'ai plus besoin de le toucher, et puis après on dégraisse avec un peu de coton. Le but c'est qu'il n'y a plus une seule trace de... Attends, hop, je l'ai pas bien, voilà. Tu vois, hop hop hop. Il n'y a pas une seule trace de gras. Voilà, j'appuie bien. Ok. Et après, quand je vais passer l'après, avant de passer ma première couche,
je passe un coup d'air comme ça, tu vois, pour enlever bien, là, si jamais il reste un petit cheveu ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, vous avez une surface qui est chouette. Donc là, maintenant, on va passer l'après. Alors, côté après, moi, j'utilise toujours l'après AK. OK, microfileur. Pourquoi? Parce que, justement, c'est un primeur, donc de l'après. Et c'est un microfileur, c'est-à-dire qu'il va, il va boucher les micro-fissures. Alors, pas toutes les petits rivets, là, vous voyez les détails. Il ne va pas toucher à tous les petits rivets, tout ça. C'est vraiment les micro rayures. Voilà. OK. Donc, allez, on passe ça ensemble. OK, alors on y va. Alors, j'en profitais pour mettre l'après sur les deux demi-fuselages. Hein, évidemment, c'est jusqu'à là, c'est la même étape pour les deux techniques. Hop. Un peu d'après. On teste. Impeccable. Et là, par couche fine, oops. OK. Voilà. Ok, donc là, côté, disons, technique, j'ai une buse de 0,4 et je suis à 1 bar. Ok? Voilà, donc ça, c'est l'après. Alors, pour ceux qui seraient tentés de ne pas mettre d'après, je vous déconseille. Ok? Parce que le résultat est quand même mieux. J'ai fait des tests. Croyez-moi que le résultat est mieux. Sans compter que sur certaines maquettes, vous pouvez avoir, bon, de la photo découpe, par exemple, ou une pièce en résine. Et l'après va tout lier pour que la peinture ait la même, justement, tonalité. Parce que si vous la pulvérisé sur un métal nu ou sur une résine nue ou sur un plastique nu, ça va changer légèrement, mais ça va changer la variation tonale. Okay? Alors que là, vous uniformisez le tout avec un après. Donc l'après, c'est vraiment essentiel. Okay? Donc là, on laisse sécher allez, une quinzaine de minutes. Alors, on va attaquer le pré-ombrage. Mais d'abord, une fois que l'après est bien sec, si vous passez le doigt dessus légèrement, un doigt propre évidemment, vous sentez que c'est un peu rugueux. Ce qui est normal, hein, c'est un microfileur. Donc là après il faut le frotter un tout petit peu. Ok. Un petit peu de sopalin. Hein. Faut pas appuyer fort. Hein. Ça va lisser tout le truc. Et là c'est voilà, une peau de pêche. Impeccable. Ça prend pas beaucoup de temps. Je le fais aussi sur le deuxième, on sera tranquille tout à l'heure. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais ça ajoute un petit plus. Hein. Voilà. Ok, c'est là qu'on examine bien la surface, voir s'il n'y a pas un cheveu qui s'est collé ou quoi. Là ça va, c'est nickel. Ok. Donc après, on va attaquer le pré-ombrage. OK. Donc là, question aéro, j'ai passé une buse de 0,15. Non, de 0,20. C'est la 0,20 que j'ai mis en place là. Donc j'ai une buse de 0,20 au lieu de la 0,4. Donc ça, les traits vont être plus fins. On choisit du noir. On va commencer par le noir. Alors, question de fluidité. Eh bien, ça dépend à quelle pression. Moi, là, je suis descendu un petit peu. Je dois être à 0,9-0,8. Voilà, donc mon mélange est un peu plus fluide. Ok, donc j'ai mis un peu plus de diluant, on va dire, disons, 60% de diluant, 40% de peinture. Le but, c'est de faire des traits très fins. Ok. Ok, alors le but, c'est de... de faire des traits le plus fins possible. Alors, c'est pas obligé que ça soit super, super droit.
voyez. Ça peut déborder un peu, ça peut faire des petites vagues. Ça va se marier après quand on va mettre la couleur de base. Ok. Faut pas non plus en mettre comme un sagouin partout. Ça servirait plus à rien à ce moment-là. Mais ne paniquez pas ou ne soyez pas déçus si vous suivez pas. Enfin, il faut suivre les lignes, mais s'il y a un petit décalage dans votre trait. Alors moi, je suis un peu là. Comme je filme, que la caméra est au-dessus, je ne peux pas regarder. D'habitude, je travaille avec mes lunettes loupe et je travaille vraiment très près du modèle. Hein. Mais là, comme je suis obligé de laisser le champ libre pour la caméra, je suis un peu plus loin. Donc visuellement, je suis un petit peu plus désavantagé que d'habitude. Mais je vais faire au mieux. Mais le principe, c'est que voilà, chaque ligne de structure... Vous le passez une fois, et puis si vous voulez que ça soit plus foncé, ben vous passez deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà. Vous suivez bien. Bon, on prend son temps, on n'a pas besoin d'aller d'aller vite. Ok, bon, je termine le pré-ombrage de tout l'appareil et après on passe au pré-éclairage. Ok, je peux pas tout filmer parce que ça va prendre du temps, le tuto va être trop long, mais vous avez compris le principe. Ok, alors voilà ce que ça donne. Ok, alors maintenant, attends, je vais bien le coller, non, pourquoi ça colle pas ça. Voilà. Maintenant, on va faire un pré-éclairage, alors avec du blanc évidemment. Alors prenez de la peinture en toile, la Tamaya ou la Guns, bon, peu importe la peinture en fait, hein, blanc, noir, la Tamaya, la MRP, la Guns, la AK, ce que vous avez quoi. Hein. C'est pas ça qui est très important. Alors on fait le mélange. Alors on va éclairer. Alors à vous de voir, hein, certains aiment bien faire tous les centres des panneaux, d'autres ne font que les arêtes. Moi je préfère faire que les arêtes, je vais vous montrer. Besoin de beaucoup de peinture. Voilà, on prend soin de ces pots de peinture pour éviter les bouchons à tâches. Voilà. Ok, et puis on y va, un peu d'alcool. Tout à l'heure pour le nettoyage, on va mélanger tout ça. Oups, voilà, si j'en mets partout évidemment. Ok, ça devrait être bon. On va remettre un gant. Voilà.
Alors, moi, je fais que les arêtes. On va faire suivant la lumière, la logique, quoi. Hein. Donc là, il faut imaginer que vous ayez un appareil complet, évidemment, les deux demi-fuselages collés, les ailes, etc. Donc la lumière, si ça vient du haut, elle va se poser où ? Elle va se poser sur le dessus, sur l'arête, sur le dessus, ici sur les ailes, sur le bord des ailes, ok ? Ici sur l'attaque de la dérive, là, sur les bords des dérives, si elles étaient là, ok ? Donc là, pour mon exemple, on va faire ici. Là, sur le capot moteur, voilà. Ouais, ici, on va faire dans chaque petite imaginez que ça continue sur les ailes, hein, là où la lumière va se poser. Alors certains aiment bien faire tous les centres des panneaux, moi je préfère le faire à l'huile après, mais à vous de voir, faites des tests et puis vous verrez ce qui vous plaît. Alors le centre des panneaux, je vais en faire un ou deux. Ça serait par exemple ici. Tu vois, moi, attends, je vais le mettre au milieu. Yes. Tu vois. Là, tu fais des petits vermisseaux. Voilà, puis tu fais tous les panneaux comme ça. Ok. Alors je fais le deuxième, ça sera fait comme ça pour tout à l'heure. Et puis après on attaque la couche de base. Ok, alors, nous voilà arrivés à la couche de base. Alors, on va utiliser, on choisit une peinture de base. Alors imaginons olive green, alors évidemment ça n'a rien d'historique, tout ça. Hein. Il y a un peu de Spitfire entièrement en olive green, mais c'est pour les biens du tuto. Hein. Ok, donc bon, j'aurais pu prendre de la MRP, j'aurais pu prendre de la Gun, j'aurais pu prendre de la AK, j'aurais pu prendre un tas de peintures, mais celle-ci, je pense que tout le monde l'utilise, mais c'est le même principe avec les autres couleurs, il n'y a aucun souci. Hein. De toute façon, peu importe la couleur que je choisis, il y a toujours du déçu. Si je prends la MRP, beaucoup vont me répondre dans les commentaires, ah mais est-ce qu'avec la Tamaya tu fais pareil? Si je prends la Tamaya, bah, vous allez voir que dans les commentaires il va y avoir du... Pourquoi? Est-ce qu'avec la MRP c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Voilà. Ok. Donc, vous avez besoin donc de la peinture de base. Après, vous avez besoin de quoi éclaircir et assombrir. Alors, un verre, on l'éclaircit avec du jaune. Ok. Et on l'assombrit avec du rouge foncé. J'ai pas de rouge foncé, j'ai du marron rouge foncé. Donc on l'assombrit avec ça. Nous, on va pas l'assombrir. Hein. Je vous l'ai montré pour vous montrer qu'on n'éclaircit pas et on n'assombrit pas une peinture automatiquement avec du noir et du blanc. Là, avec du jaune, ça va très très bien. Ça va, c'est même mieux parce que ça va garder la même. Tu vois, voilà. Bref, c'est mieux. Faites un test sur papier. Faites un mélange vert blanc et puis en dessous un mélange vert jaune. Vous verrez que le vert jaune, ça sera mieux. Ok, donc on commence, on va faire d'abord le vert jaune, ok, un vert éclairé, qu'on va passer en voile fin, donc là, tout en faisant attention de bien garder, je sais pas pourquoi mon truc il colle pas bien, là. Ça m'embête depuis le début, on va remédier à ça tout de suite, donc, ouais, cool. Ok, on va donc faire un mélange vert clair, ok, qu'on va pulvériser en voile fin, ok. Après, on va faire une technique, pourquoi pas au sel, si vous voulez, ok. Et après, on va passer celui-là finalement. Et puis voilà, la maquette sera faite, ok. Alors, on y va. Je fais le mélange.
Là, on y va, on voit le fin, hein. Une dizaine de centimètres. Alors moi j'ai laissé l'aiguille 0,2, hein, et je suis toujours à 0,9, un bar. Mais vous faites comme vous sentez, si vous voulez repasser en 0,4 parce que vous trouvez que ça diffuse mieux et puis vous voulez monter un peu la pression, ça c'est pas un souci. Hein. Donc là, c'est censé représenter pas un après, mais disons la peinture qui est usée, quoi. Ok. Vous voyez, on voit déjà les pré-éclairages que ça donne un peu. Ça fait déjà une variation dans la tonalité. Alors, il faut s'arrêter à temps. C'est ça qui est compliqué. Hein. C'est ça que les débutants trouvent très, très compliqué, c'est d'arrêter. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Alors n'oubliez pas que après il y a encore une teinte. Hein. Moi ça me semble ok parce que bon il y a encore une teinte après, hein. Ok, donc là on va laisser sécher un peu, ok, enfin, un peu même bien, hein, une petite trentaine de minutes. Après on va mouiller légèrement, on va mettre un peu de sel, on va laisser sécher, puis on va passer la vraie couleur, celle-ci, ok. Après il suffira d'enlever le sel et puis vous verrez que vous aurez, alors on peut mettre le sel à certains endroits. Et on peut dire que ici ça va être plus abîmé, ici sur le côté, on va mettre du sel ici, on va mettre un peu de sel ici sur le haut, sur une petite partie, là, sur voilà, pas partout. Voilà. C'est pour ça que j'ai laissé un peu plus prononcer, tu vois, le pré-ombrage, parce qu'il va avoir une couche dessus. Et après, quand on va enlever le sel, ben, toute cette peinture-là qu'on vient de mettre, elle va apparaître sur le dessous, un peu plus clair. Ça va faire ça va ajouter encore une variation tonale en plus. Ok. Vous voyez bien. Ok les gars, ça fait déjà pratiquement 40 minutes de vidéo là, je pense que c'est suffisant. C'est même un peu long, mais bon, pour expliquer ce genre de technique, il faut prendre un peu de temps. Donc dans la partie 2, on va terminer cette technique, passer la couche finale, ok. Et puis après, on attaquera la deuxième technique, ok. Je pense que la deuxième vidéo va également faire à peu près 40 minutes. Donc, c'est un peu long, je suis d'accord, mais il faut prendre le temps d'expliquer. J'ai accéléré et coupé des trucs comme le pré-ombrage, mais il y a des trucs que j'ai oublié de vous montrer quand je le fais en entier pour que vous rendiez compte du temps que ça prend, etc. Okay. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelques trucs. On se retrouve dans la partie 2 très bientôt. A plus, ciao.